Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour chers compatriotes guinéens. Alors, comme vous, nous l'apprenons actuellement d'ailleurs à Conakry des tirs nourris dans la commune de Kaloum, commune dans laquelle se trouve la présidence du sanguinaire Alpha Condé. Alors, un coup d'État, l'intention y est pour renverser Alpha Condé, pour que la Guinée puisse retrouver en fait cette Guinée rationnelle dans laquelle tous les Guinéens se retrouveraient, disons, en paix, chers compatriotes guinéens. L'intention, c'est cette intention, et c'est bien cela. Alors, nous ne pouvons que, en fait, encourager les forces, disons, actuellement à Conakry qui tentent, les militaires patriotes qui tentent de le faire. Moi, je le dis à tout moment que ça, c'est la seule solution pour que la Guinée se retrouve avec ce sanguinaire Alpha Condé, c'est à travers, disons, des actions militaires, voire sporadiques, n'est-ce pas? Alors que ce qui se passe maintenant, nous ne pouvons que encourager. Ce n'est pas facile, mais il faut encourager donc ces patriotes-là qui ont eu cette intention, effectivement, de renverser. Donc, on parle de coup d'État parce que je lis quelque part ici, sur certains sites Jeune Afrique ou France Inter, on parle de tentative de coup d'État militaire. Que cela soit ainsi, chers compatriotes guinéens, parce qu'Alpha Condé, je crois que cela ne doit étonner personne. Nous avons au pouvoir, en fait, un homme malade, en fait, un psychopathe, c'est vrai. Vous voyez la façon comment cet homme-là dirige la Guinée. Alors, mais c'est logique, nous ne sommes pas en fait des gens sans valeur, nous sommes respectueux, nous les Guinéens. Nous ne pouvons pas accepter qu'un tel individu, en fait, vient donc dans notre pays semer de la pagaille, chers compatriotes guinéens, et moyennant quoi? De la malhonnêteté, chers compatriotes guinéens. Nous ne pouvons pas l'accepter. Alors nous souhaitons que ce qui se passe maintenant, en fait, se perpétue effectivement jusqu'à en fait la conclusion, c'est-à-dire disons la fin du règne du sanguinaire Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Alors, je m'arrête là pour le moment. Nous cherchons des informations. C'est juste encourager donc ces forces patriotes qui sont sur le terrain, les encourager, et pour que finalement, effectivement, cette grande nouvelle finalement se présente à nous, c'est-à-dire la fin du régime de Alpha Condé. Ce qui est clair, chers compatriotes, on ne sait pas l'issue de ce qui se passe actuellement aujourd'hui, nous ne savons pas. Mais une chose est claire, et ça c'est déjà c'est la grande nouvelle, c'est l'intention. L'intention est prouvée à Alpha Condé. Il ne peut pas, il peut pas aller avec son pouvoir. Il s'en ira pas sans être puni, cher compatriote guinéen. Tôt ou tard, qu'il tombe aujourd'hui ou demain, de toute façon, il tombera par les armes, c'est clair et net. Nabilaï, Moussa Camara de Bruxelles, donc à tout à l'heure, cher compatriote guinéen.